convoquons l'ensemble des élus ici présents sur cette mandature. Nous mesurons ensemble la responsabilité qui sera la nôtre de manière partagée pour que la Réunion ne recule pas, pour que les Réunionnais trouvent des réponses concrètes par rapport à leurs attentes. Nous avons déjà commencé à annoncer des mesures, que ce soit le chèque Marmaille pour les mères, pères de famille qui veulent faire garder leurs enfants dans une crèche, ou bien que ce soit la valorisation du montant pour toucher le chèque santé, puisque le minimum vieillesse vient d'être valorisé de 2,5% pour ne pas faire en sorte que la santé des personnes âgées soit mise à la trappe. Et donc il y a un certain nombre de mesures concrètes et nous allons surtout lancer cette grande consultation, ces états généraux de l'urgence économique et sociale à La Réunion pour entendre les vraies revendications des Réunionnais sur le terrain, mais aussi celles des forces vives, des acteurs économiques, pour que ça nous serve de substrat et de base à un programme local que nous allons envoyer à tous les candidats à la présidentielle.